Maman Lucie, l'une des plus belles voix de la musique chrétienne congolaise s'est éteinte. La sœur Lucie Kounda a quitté la terre des hommes dans la nuit du 7 avril 2024. Décédée à l'âge de 62 ans, cette artiste talentueuse a laissé derrière elle un héritage musical vraiment inoubliable, parce que Michel Bakenda aussi est inconsolable après Kooka Sangwea Liwa ya maman Lucie Kounda wa biko tikabiso na butu ya le 7 avril 2024 au tikabiso suite à une maladie. Et là je parle na ndeko da kolobela ndeko na biso maman na biso grande sœur na biso wa tikabiso maman Lucie Kounda Otoyebaki Bango Bazarana groupe na bango ya Kounda Sister. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Parlons Vrai. J'ai dit un très grand merci à tous les fidèles téléspectateurs et internautes, les amis de CNR Télévision à Pessibino. Mbote mingi bisikanyoso oyobozomi na kolanda biso à travers émission Nabino Parlons Vrai. J'ai dit un grand merci à mon équipe technique derrière la caméra et à Tito. J'ai dit un grand merci comme ça à tous ceux qui nous regardent depuis partout. Eh bien, moi, c'est Cédric Ngongo à la présentation. Eh bien, voilà. C'était pas prévu que je tourne l'émission très tôt ce matin comme ça. Bon, moi-même, je tourne la condition ou de tourner la ratée parce que c'est une intervention où je suis en haut à chaud et puis on devait transmettre quand même le message de mes kako informer situation. Parce que il y a mon aîné qui a été fait pour perdre moko ya balanga nzembo ya République démocratique du Congo oyo ayebi na kotika biso na mokolo ya butu ya dimanche oyo le 7 avril 2024 kotika biso suite à une maladie. Et là je parle na ndeko da kolobela ndeko na biso mama na biso grande sœur na biso ouauti kotika biso mama Lucie Kounda Otoyebaki Bango Bazarana groupe na bango ya Kounda Sister. Auti kotika biso mokolo ya le 7 na butu ya le 7 dimanche butu ya le 7 dimanche nde moli monaye ebaki na kozonga epa ya kolo Yesu. Qu'est-ce qui a fait à ce que ndeko na biso akende aussitôt? Parce que bon, tokoloba aussitôt te tokoloba ndeko na biso akeyi vu que liwa ezalara mokano ya nzambe. Liwa ezali parmi ba mister oyo ya nkolo nzambe moko. Et ben nous avons essayé de nous renseigner auprès de la famille, auprès des amis proches pour toyer ba vraiment ndeko ayebi na kokufa na nini. Et ben selon ba information oyo tozwi, ndeko azwaki mwa maladie et puis ndeko liwa ekozwaye langanze mboko ya sepelisi biso mingi depuis années 80. Depuis na ba années 80 ti lelo oyo maman Lucie Kounda ayeba na ko sepelisa biso à travers sa très belle voix. Mais aujourd'hui elle n'est plus. Maman Lucie Kounda est morte et ça li passe na libota ya nzambe mobimba mboko na biso République démocratique du Congo, particulièrement à tous les musiciens chrétiens ya mboko na biso République démocratique du Congo. Maman Lucie, l'une de plus belles voix de la musique chrétienne congolaise s'est éteinte. La sœur Lucie Kounda a quitté la terre des hommes dans la nuit du 7 avril 2024. Décédée à l'âge de 62 ans, cette artiste talentueuse a laissé derrière elle un héritage musical vraiment inoubliable, parce que après répertoire monnaie au baranango ensemble, aujourd'hui maman Lucie Kounda n'est plus de ces mondes. Bon, nous ne devons que dire merci à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne et puis c'est Dieu qui reprend. Depuis les années 80 jusqu'à nos jours, nous sommes bénis à travers leur musique. De tout koeba ma banda musique oyo vraiment na age ya moke makasi ba unionso le Kounda Sister ba sepelisa biso makasi à travers ba mélodie na bango lokola onyame crocrocro. Je vais tout laisser Masia, Jésus Christ est mon sauveur, banda lelo banguna nanga ba kwei, etc. Il y a beaucoup d'autres titres
oyo le kunda de kunda sister ba yebana ko sepelisa biso à travers musique na bango. Groupe oyo eleki de génération en génération, groupe oyo est traversé ba époque na ba époque, groupe oyo est traversé et traversa à travers musique nango et traversa ba frontière na ba frontière. Groupe oyo kunda sister ba yebana ko pesa biso kimia à travers musique na bango, ba yeba ko pesa biso esengo à travers musique na bango, ba yeba ko pesa biso consolation à travers la chanson na ba voix na bango mélodieuse comme nous le savons tous nde ba yemba kitoko. Et ben je vous laisse d'abord suivre en mode a cappella toka moke ndero na biso maman na biso grande sœur na biso oyo auti ko tika biso motema na ye et paiement à Kimia et pas la pas à Kolo Yesu. Je voulais suivre cet a cappella de Kunda Sister et puis nous allons retrouver tout juste après. Abonnez-vous massivement, vous aurez toutes nos informations. Que le Seigneur vous bénisse. Kunda Sisters, YouTube, Kunda Sisters, cette TV officielle. Lingala. Lingala. Comment est-ce surtout vous s'abonner massivement à la chaîne Kunda Sisters TV officielle? Nzamba pambo labino bozoa o etali ba information na biso nyoso a na chaîne oyo que le Seigneur vous bénisse. Et bien voilà, à travers cette très belle mélodie, nous avons encore eu la chance d'écouter encore la servante de Dieu, Maman Lissi Kunda, paix à son âme, l'artiste qui nous a traversé des époques, des frontières, des pays, et pourquoi pas, il nous a donné la joie du cœur. Apesa biso saïba, apesa biso
et sengo mingi à travers musique nabango. Et aujourd'hui, elle est repartie. Aujourd'hui, notre maître Jésus-Christ a ébina rozoa molimona. Et nous allons écouter, nous allons suivre ensemble encore le message très touchant de Michel Bakenda, parce que Michel Bakenda aussi est inconsolable après Kooka sango ya liwa ya maman Lucie Kunda o ébiko tika biso na butu ya le 7 avril 2024. Michel Bakenda a aussi pleuré à sa manière. Nous allons suivre. Bon, nous sommes en train de voir le poste de Michel Bakenda, ce qu'a écrit Michel Bakenda pour rendre hommage à la plus belle voix de la musique gospel de notre pays. Et nous sommes en train de voir le message de Michel Bakenda. Nous sommes aussi en train de voir le message de Aimé Kanou. Lui aussi, il a répondu, il a partagé ses douleurs ensemble avec le peuple de Dieu, avec la communauté congolaise, avec la musique congolaise et la République démocratique du Congo qui est en deuil. Il y a aussi pasteur Maman Anne Mboula qui a aussi tweeté, qui a aussi écrit quelque chose pour rendre hommage à la servante de Dieu, Maman Lucie Kunda. Il y a aussi le prophète Gabriel Dinanga qui a aussi posté pour rendre hommage à cette très belle voix, la plus belle voix mélodieuse qui nous a quittés déjà il y a un jour, parce que c'était le dimanche, dans la nuit du dimanche 7 avril 2024. Que son âme repose en paix. Nous allons vous revenir encore pour plus de détails. Potoyeba, Makamboué, Salema Kilolengenini, et puis nous allons interviewer 2-3 personnes. Et puis nous allons aussi approcher les amis de MCC, où ils sont dirigés par le frère Patrice Ngoyi Moussoko. Toyeba, comment est-ce que l'organisation va se faire? Nous allons entrer en contact avec frère Patrice ou soit son bureau. Potoyeba, comment MCC va comme il la paix pour nous accompagné de Ronabiso na dernier des mernaïs. Quant à moi, Cédric Ngongo, on se retrouve prochainement pour une autre intervention, surtout sur cette actualité de la servante de Dieu, Maman Lucie Kunda, paix à ton âme. Nous gardons de bons souvenirs de vous, artistes. Quant à moi, on se retrouve demain. Ciao, ciao.